Bon, il est fiable, ton gars? Bien sûr. Fais-moi confiance. Oh, mais il est quelle heure, là? 23h06. Il est en retard. J'aime pas ça. Ouais, moi non plus. Je suis là. Mais t'as la goule. Où le sac? Tu ne fais pas confiance. On n'est jamais trop prudent. Ça y est, les gars. Vous commencez à prendre de l'ampleur dans le bus. Et les gros trafics de la ville, ils aiment pas trop ça. Oh, c'est mignon. Elles s'inquiètent pour nous. Puis, t'es toute seule? Ils sont pas là? Tes chiens de garde? Ils sont jamais très loin. Fais gaffe, ils pourraient t'entendre. Oh là là, quelle menace. Oh là là, faut vraiment qu'on fasse gaffe. Voyez, donne-nous le fric. Fais-moi la prémise. Y'a le compte? Y'a le compte. On se casse. On se casse. Hey. Y'a Dieu, ça va? Ouais, ouais, toi. Ouais, ouais. Ça se passe comment, Charlotte? Ah, franchement, j'ai aucune idée. Je sais qu'il y a des embrouilles. Tu vois, les mecs? Mais ça pue. Ça va? Adieu. Yo, non? Ouais, toi. Ouais, 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 merci. Super. Adieu. Faut les gars, vous motivez? Ouais, ouais. Guillaume? Très bien, bon, tenez comme ça. Merci. Siméon? Bravo. Alors, cagoule. La cam, c'est moi. Il est quelle heure? On est bon. 21h30, on est dans les temps. C'est bon, on a tout, on peut y aller. On y va? Ouais. Quel message a voulu faire passer l'auteur? C'est en faire l'enfer sartrien dans un contexte un peu compliqué. Guillaume, y'a qui? On est où? Siméon, ça va? Je sais pas. On est où, mec? Mais t'es qui là? Tu nous veux quoi? On est où? Non, touche-le! Relevez-le! Ça va?
T'es qui? Tu veux quoi? On est où là? T'as un problème, c'est ça? Je connaissais votre père en son vivant. On aime bien. On avait un commerce d'outils ensemble, mais un jour, il a découvert que je passais de la drogue avec tout le marché. Il avait le choix entre me suivre ou s'asseoir sur cette chaise à votre place. Il ne faisait plus d'ombre désormais. Et maintenant, ses fils ont pris la relève. Et clairement, faut que ça cesse. Vous arrivez avec 30 minutes de retard et vous ne dites rien. Mais ça vous arrive jamais? Vous n'avez même pas vos affaires. Guillaume. Bon, bref, reprenons. Passage 25. Est-ce que vous pouvez vous dire de plus? Hello. Adieu. Ça va? Ouais. Non, pas tellement. Ouais, je vois ça, t'as l'air trop bizarre. Y'a quoi? C'est compliqué. C'est Siméon, enfin, il... Quoi, Siméon? Il a quoi? Bah, il est mort. Siméon est mort. Ça s'est passé hier, dans une fusillade. Il a rien demandé, tout s'est passé si vite, enfin, c'est un accident. Les flics sont au courant? Ah oui, enfin, bien sûr, ceux qui m'ont averti de cette triste nouvelle. Ouais. Bon, enfin, j'aimerais rester un peu seul, parce que c'est difficile à vivre, donc s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Merci.
Tu crois que tu dois te tirer aussi facilement? À ta place, je ferai pas ça, gamin. Tu crois que tu me fais peur avec tes menaces? De toute façon, j'ai déjà tout perdu. Tu m'as enlevé mon frère. Alors baisse ton arme et amène-moi gentiment vers ton boss. Oublie pas qu'on fait jamais un trafic tout seul. Bon les gars, si vous êtes convié ici, c'est pour vous parler quelque chose d'important. De comment cette blessure est apparue par exemple? Non, sérieusement. Si Siméon est mort, c'était pas un accident. En fait, on était dealer depuis maintenant quelques années. On prenait de plus en plus d'importance dans le milieu et puis ça plaisait pas tellement aux grands de la ville. Un soir, on s'est fait piéger, puis un gars il s'appelait Boss. Et ouais, enfin il se prénommait Boss. Il nous a piégé et puis il a tué mon frère devant mes yeux. Et ce soir-là, j'ai appris que l'assassin de mon père était le même que celui de mon frère. Ah, ouais. Oh. Et toi, ils t'ont relâché quoi? Parce que... Ah bah ouais, je me suis posé cette question aussi. Il va falloir qu'ils me croyaient plus faible. La dernière chose que je me souviens, c'était ce coup de feu qui résonne encore dans ma tête. Et puis je me suis réveillé dans la rue, complètement balafré, en pleine nuit. Et ta blessure par balle, c'est... Ça, c'est... Quelques jours plus tard, après m'être vraiment entraîné, toute la nuit, tous les jours, tout ça, je suis reparti sur un lieu d'échange. Et puis ben là, en fait, de nouveau une embuscade, ils m'ont eu, j'ai touché un gars, enfin je l'ai même tué. Et il m'a tiré dessus. Attends. Ouais. T'as tué un mec? Ouais, j'arrive toujours pas à en remettre, mais c'était le premier, mais... C'est en tout cas pas le dernier. Je vais devoir éliminer tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans l'assassinat de mon frère. Et du coup, si on est là, c'est pour t'as besoin d'aide en fait. En gros, ouais. Du coup, c'est bon, je suis partant. Bah moi, je pense pas que j'ai le choix, quoi. Si, t'as le choix. Ok. T'es pas obligé. Ils vont payer. Ça c'est pas... Non, c'est pas folie. Par rapport à... Voilà les gars, ça va être l'heure. C'est le moment où jamais si vous voulez reculer. Je suis chaud. La distribution des armes. Luc. Et ce joli petit joujou. Voilà. Ah là là. Ok. On sera cagoulé pour pas qu'on nous reconnaisse. Ok. Merci. Voilà. Ok, donc comment ça va se passer? On va se cacher derrière les bâtiments en attendant qu'ils fassent leur échange. Ensuite, dès que le client est parti, on braque les deux hommes. Ils seront deux, c'est sûr et certain. Après, on va leur demander de nous amener vers leur boss. Étant donné qu'ils seront pris d'otage, ils vont pas pouvoir faire quoi que ce soit. Ok. Tout est bon? Ouais, tout est bon. Ok, parfait. On y va. Yes. Attendez-moi, les gars. Quelqu'un pour vous? T'es fini maintenant. On fait quoi maintenant? On se bat.
Alors, passé quand est-ce que ça, le garçon? L'arroseur arrosé. T'es assis là, à ma merci. Et maintenant, je vais venger mon père et mon frère. Et voilà, les gars. C'est fini. Et là, on va faire quoi, Romain? Excellente question.